des choix. Vraiment tout près. L'une de celles que l'on apprécie énormément pour son élégance, la voici, Elena Gomez, toute jeune elle également. Mais déjà un titre de championne du monde en poche, au sol. Beaucoup de talent. Et ça part sur un boogie endiablé. Oui, c'est le tour arrière pour grouper. Double oreille ennemie percuté brillamment bien. Voilà. Petit déséquilibre. Et triple vrille pour terminer. Non, je la faisais terminer un petit peu vite, il en restait encore. C'est la musique, ouais. C'est la musique qui trompe. Il y a encore la dernière diagonale. Oui. Presque parfaitement posée. Belle prestation d'Elena Gomez. Juste deux petits déséquilibres quasiment imperceptibles sur les éléments chorégraphiques. Elle met la pression sur cette oui, avec un programme extrêmement complet et très acrobatique. Beaucoup de densité technique. Elle les empilait, les difficultés. Regardez ça, la hauteur à laquelle elle décolle. Vraiment très très belle gymnaste. Il se fait très rapide, il y a ici ce léger déséquilibre. Voilà. Les juges auront bien évidemment sanctionné légèrement. Et alors, double vrille ennemie percuté, salto avant vrille, une belle série acrobatique. Au niveau des difficultés acrobatiques, on peut quand même pas sanctionner. Ah, quand même, c'est difficilement noté, c'est durement noté.